fait dans la diaspora haïtienne. Et nous souhaitons plus le courage à chaque haïtien aujourd'hui qui indigné. Nous souhaitons plus le courage à chaque grand haïtien qui blessé jusqu'au fond de leur âme. Matin, de 6h du matin, j'ai reçu l'appel d'une compatriote, Madame Lucie, à Montréal. Et vous sentiez à travers la voix de Madame Lucie le sanglot, également toute la frustration qui dégage, toute amertume, toute douleur face à ce qui a passé là, pratiquement dans le pays, face à ce qui a passé à Haïtiens à travers le monde entier. Et me saluer tous les citoyens, je dis, qui fait face à cette réalité, ces familles. Madame, monsieur, ce qui se passe, les humiliants, les inhumains, et ça qui a passé, il faut que je dise, les porter en pile découragement à la caille chaque grand haïtien. C'est comme si vous êtes proche, et puis un matin, vous entendez, il y aurait l'eau, bonne nouvelle, tout que accident arrivé, proche là, mourir, il a perdu la ville. Et chaque haïtien qu'on a dit, c'est tout namou calé ou vidé. C'est comme si vous n'êtes pas existant en tant que monde. Et c'est cette situation, madame, monsieur. C'est un moment de désespoir. C'est un moment de découragement. C'est un moment également de frustration parce que je vous dis, hein, tout haïtien frustré parce que. Nous frustrés parce que. Nous constatons que nous ne pouvons pas vivre ensemble. Nous constatons que nous n'avons pas qu'à entendre nous. Nous frustrons parce que nous, ouais, l'incompréhension, quand l'autre là. Nous frustrons parce que nous, ouais, c'est dommage que nous n'avons pas qu'à entendre nous. Nous frustrons parce que nous, ouais, malgré nous quitter le pays, eh bien, solution, pas jamais capable de faire une solution. C'est vraiment douloureux, madame, monsieur, ce qui se passe là maintenant. C'est très douloureux. En moins qu'on ne pas haïtien du tout. Et le résultat, c'est pas une question de jouer blanc. C'est pas une question de jouer américain, non? Je veux dire, le résultat, c'est pas une question de jouer américain. C'est pas jouer blanc. Non. D'ailleurs, si nous prenons le son de blanc, je dis à jamais, plus jamais, nous ne sommes jamais capables dans cette situation. Ça. C'est parce que justement, on ne va pas prendre le son de blanc. Il y a des images qui reviennent. Images côté ouais, le colon sous cheval lit, et puis la traquer un nègre du sol étant. Image ça nous, elle déjà, elle passe devant nous. Nous vivons, mais nous en tant qu'haïtiens, nous en tant que nation nègre, nous-mêmes qui, je dis, qui sont symboles de liberté, je dis à nous-mêmes, je dis à que le monde entier, que le monde noir a gardé. Eh bien, Baba nous menti. Est-ce que nous pas dans une situation pour nous toujours kembe flambeau ça, flambeau liberté ya. Je dis même fier, nous pas fier. Je dis pas aucun noir sous la terre qui a dit le fier de Haïti. Comme première nation nègre, comme première nation qui t'a mené bataille pour te libérer en fait cette classe d'hommes et de femmes de l'esclavage. Madame, monsieur. Je dis, est-ce que nous pouvons parler de Haïti comme nation qui kembe le flambeau de la liberté? Non, on ne peut pas parce que nous autres Haïtiens, nous mal comprenons la liberté et nous pas entendre nous souli. Je dis, ce n'est pas blanc pour nous jouer. Ce n'est pas américain pour nous jouer. C'est nous, ok, pour nous bailler tort. Parce que nous avons tort. Nous avons mal planifié notre destin. Après le 1er janvier 1804, qu'avons-nous fait de ce pays? Qu'avions-nous planifié? Après le 1er janvier 1904, qu'est-ce que nous avions eu comme plan? Après le 1er janvier 1904, qui pays que nous avons en tête nous? Qui ça nous a planifié comme pays? Après le 1er janvier 1904, eh bien, c'était quoi? C'était l'assassinat de l'empereur. C'était l'assassinat de l'empereur par qui est-ce encore? Par des Haïtiens? Par des citoyens et des citoyennes haïtiens?
Après, le 1er janvier 1904, c'était quoi? C'était la division totale. Pétion, Christophe, c'était la division totale. L'Empire du Nord et le reste du Sud. Après le 1er janvier 1904, c'était quoi? Est-ce que nous entendons sous qui pays que nous avons besoin? Est-ce que nous entendons sous pays que nous voulons? Et jusqu'à encore aujourd'hui, presque 220 ans, nous toujours pas capables d'entendre nous sous ça nous gagne là comme pays, comme territoire. On nous suspend, mettez son nous sous blanc. On nous suspend, by blanc, responsable de son nous. On nous suspend, by blanc, responsable de destin nous. Il faut quand même le reconnaître, madame, monsieur. Nous avons échoué comme peuple. Nous avons échoué comme peuple. Il faut le reconnaître. Si aujourd'hui, ce n'est pas au moment. Écoutez, madame, monsieur. Ce qui se passe là maintenant. Moi-même, ce matin, j'ai fait un appel. J'ai parlé à Guerrier Henry. J'ai parlé à Valestin Ismaël. Je dois me rendre au Mexique. Je vais me rendre au Mexique. Il faut m'aller au Mexique pour m'algarder. Pour mal parler avec Haïtien, m'algarder. Parce que je ne peux pas comprendre jusqu'à présent. J'ai entendu certains témoignages ce matin à travers les microphones de mes amis, frères de la radio Caraïbe. Mais faut me déplacer, mal garder. Faut m'aller au Mexique. Faut m'aller sous frontière là, mal garder, mal tendre. Madame, mais ce sont occasions, oui, là, pour nous dire non, jamais, plus jamais. Ce sont occasions aujourd'hui, pour jeunesse pays, t'as pris une décision pour dire que ça qui passe là, c'est dernière fois ça passe à pays. Je dis à cette occasion, oui, pour nous toutes, nous t'a dit, écoutez, ouais ça, nous va prendre encore. C'est un coup son papa qui nous caille, c'est un coup son famille, et puis qui gagne, et petite, et puis gagne un petit monde dans Kaila qui font des ordres, et puis tout le monde révolté dans Kaila. Quitte ses maman, c'est papa, c'est tonton, c'est ma tante, quitte l'autre frère, l'autre soeur, et bien il dit, tout le monde dit que le pape accepte ça encore, non mais, petite ça, de famille ça, qui, je dis, à ça l'image famille ça. Et puis on prend décision que nous prend entre eux, les mêmes membres de cette famille. Je dis à pas appeler, vous n'appelez. C'est pas reposer pour nous proposer, sans nous. C'est pas blanc pour nous être responsable de ça nous y est, je dis à là. De l'état que nous la donne, je dis à. Et pas blanc pour nous être responsable. Le blanc n'a rien à voir avec comportement nous. Le blanc n'a rien à voir avec décision que nous prenons. Pour pays nous, pour tête par nous, pour petite nous, pour famille nous. C'est l'occasion aujourd'hui. Pour nous tous, nous devons mettre ensemble comme haïtiens. Que ce soit haïtiens de dedans. Ou du moins haïtiens de dehors. Haïtiens dans la diaspora. Haïtiens qui vivent en Haïti. C'est l'occasion pour nous dire. Où est-ce qui passe là? Où est-ce qui passe le diaspora là? Ben, ça va nous arriver qu'on a pays. Mais écoutez. Pendant que je parle de ça, il y a des gens qui posent des questions, mais le côté, il va parler. C'est comme Dadou, nous sommes peuple de résignés. C'est comme Dadou, je dis, il y a des gens qui disent que, faut nous résigner, nous. On se paye encourager, petit, quitter. Mais madame, monsieur, on ne voit pas ces misérables, perdu là, vous, non, rivière, dans de l'eau. On ne voit pas quitter le pays, on ne voit pas ces misérables, humiliation blanc. Mais plutôt camper là pour goûter. Plutôt camper là pour rentrer nos équipes qui a vu avec notre vision. Plutôt camper là. Vous faites partie de groupe de monde ça aujourd'hui qui croit que Haïti a changé. Et que ce n'est pas courir pour nous courir qui des pays. C'est camper pour nous camper. Pour une bataille. Ok. Contre statu quo qui là. Pour pays capable de changer. Au lieu que c'est goûter. Quitter pays, ya, vendre tout soit possédé, et il va prendre humiliation de yo, et puis pour traverser des déserts, pour bête à manger, ou, pour mourir côté que font ou à côté, pour perdre la vous dans de l'eau. Écoutez, madame, monsieur, qui ça n'a fait dans le pays? Sur occasion, je dis à moi de chaque Haïtien, calé genoux. Calé genoux parce que nous, tant que c'est des zombies. Calé chez nous parce que je dis, écoutez, Jim Giba qui pile l'aide, il est capable d'associer Haïti avec lui encore. Jim Giba qui pile sale,
yo capable associer Haïti avec lui encore. Parce qu'on a déjà toutes les étiquettes sous dos nous. Écoutez, madame, monsieur, c'est pas une fréquencité. C'est pour fréquencité. Pour le président dominicain Luis Abinader, campé sous tribune Nations Unies, l'a dit que Haïti, la situation, la crise actuelle d'Haïti, sur le plan institutionnel et politique, c'est une menace pour la région, en particulier pour la République dominicaine. C'est pas une honte. Est-ce que ça pas d'où interpeller comme haïtien? Et pour mon étude de diplomatie, l'entendez vous parler de pays, ça son menace pour une zone, pour un pays, pour une région. Vous avez dit ça? Et de son vieux bagay net. Ou son menace pour une région sur le plan diplomatique. Et de pas aucune valeur dans une personne dans la région. Ou pas aucune valeur dans une personne qui est là, qui se voisin là. Est-ce que c'est pas. Est-ce que ça pas d'où est vexé? Est-ce que ça pas d'où interpellé, je veux dire, pour le président dominicain, sous tribune Nations Unies, à fond plaidoyer, à demander communauté internationale, puis au dégager, au pressé, initier un dialogue pour retirer Haïti de sa lié là, pour mettre tout acteur haïtien chita, pour qu'il y ait un pacte de gouvernance, pour bailler la paix, pour Haïti qui bailler la paix dans le Caraïbes là. Ça va douer avec ça, ça va avec ça. Ça va douer. Ça va douer que je dis que le président dominicain a fait capital politique sur Haïti. Ou qu'on gomme tant Dominicani a fait capital politique sur le pays d'Haïti. Ou qu'on gomme tant qui est encore pour Dominicani a fait capital politique sur le pays d'Haïti, madame, monsieur. C'est une honte. Ça t'a dû interpeller nous, chaque grand haïtien. Qui t'a haïtien quand dedans? Qui t'a haïtien de yo? Qui t'a haïtien qui c'est Lavalas? Qui t'a haïtien qui c'est tête calée? Qui t'a haïtien qui c'est du valériste? Qui t'a haïtien qui c'est jovenéliste? Je veux dire, faut nous toute ta honte. Et son occasion, ok? Pour nous avoir une décision, on ne dit jamais, plus jamais, bah, ça va nous arriver dans le pays. La jeunesse de ce pays, la jeunesse de mon pays, calez chez nous. Pour me flex, nous, je dis, elle n'est pas capable de se courir qui pays. La jeunesse de ce pays, son occasion, je dis, pour nous prendre responsabilité, pour nous dire non, jamais, plus jamais, ça va nous arriver dans le pays d'Haïti encore. Écoutez, je peux rester à la radio, pas derrière ce microphone. Intervenir avec toute cette énergie. Et puis, il y a des gens qui ont attendu Gabdou. Ah, l'exorcisme, c'est à penser. L'exorcisme, parler à parler, pas un problème. Mais notez. Et ou pas, j'ai oublié que le coup désir, que matin débat nous-mêmes. Nous toujours prenons responsabilité de nous face à une telle situation dans le pays. C'est dommage que je dis. Et faut pas le prendre pour nous gagner un pouvoir de convocation, parce que sinon, matin débat. Si nous-mêmes nous débat matin débat pour voir ça, gan pile bagay qui t'a changé dans le pays. Parce que nous avons été là en gen matin, nous battons, et puis nous disons tout le monde parle de travail aujourd'hui. Et puis tout le monde effectivement parle de travail aujourd'hui. Ou d'après si nous avons changé. Si nous avons gagné pouvoir de convocation, si nous avons matin débat pour voir ça, et parce que nous n'avons pas gagné, nous avons demandé trop de travail. Ok? Nous avons demandé pour nous composer avec d'autres secteurs. Pour nous être capable de chita pour voir de convocation ça. Mais si vous même capteur d'émission matin débat, qui c'est auditeur émission ça, si vous même dans la population, qui tendez matin débat, qui remet matin débat, nous débat matin débat pour voir ça. Eh bien, à partir de ce microphone, nous sommes capables de mobiliser toute la diaspora haïtienne, également tout le pays. Ok? Pour nous être capable de montrer au monde entier. Ok? Ça qu'a fait là, j'en ai fait là, nous pas remettre, et mais qui décision que nous prenons. Malheureusement, on n'a pas ce pouvoir. Il faut quand même construire. Il faut quand même le construire. Mais comme on dit, ça n'a pas intéressé de construire. Parce que, je dis, hein, il y a de gros manitou. Cap gardé. Et cap gardé chaque pas que matin débat est franchi. Chaque étape que matin débat franchi. Il y a de gros manitou cap gardé là. Cap gardé les fins, tous les gestes de matin débat. Tout geste matin débat. Parce qu'il y a veillé nous. Parce que, madame, monsieur, personne n'est épargné dans ce pays. Pas quelqu'un qui est épargné dans le pays. Ok? À qui ça ne peut attendre encore? À qui ça ne peut attendre? Regardez, madame, monsieur, ce qui se passe dans ce pays. Hier, c'était donc la rentrée scolaire.
la nouvelle année académique 2021-2022. Sur fond de crise politique. Il y a une rentrée scolaire qui fait, qui est réalisée sur fond de crise politique, d'insécurité, d'instabilité économique et de frustration. Bon, qui gère les années de l'école ça pour le faire réviser? Peut-être c'est certain que nous connaissons l'histoire. Élève ça, qui le vont matin et puis il prend une tête qui. Parents ne veulent pas parler dans la radio, mais sans doute ils quittent un petit bout de papier au côté. Une nouvelle année académique, mais pour quel résultat? Combien de gens ont déjà des chances à l'école? Là, dans le matin, nous sommes obligés de fermer le registre d'aide. Le registre d'aide, nous sommes obligés de fermer parce que nous avons trop de bagages sous nous. Dossier tremblement de terre 14 août pour qu'on même qu'à traiter. Parce que pour deux mois, nous avons un problème. Tremblement de terre, madame, monsieur, dans le sud, dans le grand dans le Nip, nous sommes capables même qu'à répondre. Quand nous avons une question de l'école, volume de mandou, mais au terre. Ça a besoin de cahier, ça a besoin de plume, ça a besoin de prendre carnet. Moi, je ne vais pas nous mentir, je vais un moment qui a laissé la matin débat, quand il a besoin de 24 000 dollars ici. Bon, 24 000 dollars ici, côté matin débat, je comme ça. Comment le et c'est le minimum que je besoin pour vous deux timides de l'école là, oui. Parce que l'école là très chère. Bon, c'est que je dis, il faut nous réfléchir, madame, monsieur. Toujours dit que derrière tout mal, combien? D'ailleurs, tout bien go mal. Maintenant, ça nous gagne là comme malin qu'on a cherché bien d'où. Situation difficile que Haïti là dans Jodi, hein. Faut la chercher bien d'où. Ça nous gagne là comme mal là, faut la chercher bien. Je me dis tout à l'heure, nous pas cabaye blanc responsable, toute misère nous. Parce que avant tout, c'est nous-mêmes qui goûmes, qui travaillent, qui bâtissent, qui construisent. Ok, ça nous la donne là, je dis à là. Et pas bah, black men la donne. Sort qui baille, imbécile qui va prendre. Je dis, on va prendre décision pour le pays. Et pour Anegouchita, on va prendre décision pour le pays. Anegouchita, on dit, monsieur, maintenant qui route nous va aller? Oui? Et puis c'est des necks ça. Et puis, cap, taille zèbre en papier, c'est des top. C'est yo qui parle 20 soignants comme projet, comme idée à blanc. C'est eux-mêmes qui ont servi de cobaye. Pour blanc, faire ça, le faire dans le temps nous. Parce que blanc, pas bon, mentir de vous bas l'espace, la rentrée. Mais il faut être assez intelligent. Il faut assez de maturité. Pour connaître que là, nous ne pouvons pas quitter l'espace pour blanc, pour étrangers venir. Madame, monsieur, qui a une chance ça? Pour chaque Haïtien, à cacher ensemble. Et puis, on a mangé, on a fait des blagues, qu'est content, pendant qu'on a parlé de bagages sérieux qui ont pour pays. Qui a une chance pour une table de dialogue à cœur ouvert? Qui a une chance pour une réunion, on combite qui réunit tout petit pays? On a une chance ensemble, et puis, on a une chance l'autre dans le jeu, on a. Il y en a dit l'autre, mon cher, je regrette ça me défaut, ou bien, qu'a demandé l'autre pardon, et puis, pour l'un mois, dégager dans le temps nous. Et puis, ensemble, on a gardé un bel pays ça, qui est dans la tête nous. Je ne sais pour tout le monde, moi, j'ai un bel pays dans la tête moi. J'ai un bel Haïti dans la tête moi. J'ai un très bel Haïti dans la tête moi. Un Haïti verte, un Haïti en sécurité, un Haïti côté que. Toute plaine, toute montagne, tout verte. Haïti, côté que l'agriculture nous, la progressé, l'agriculture nous a fleuri. Haïti, côté que le pays a baillé toute petite li manger jusqu'à ce que nous manger pour nous vendre dehors. Haïti, côté que soleil là, eh bien, c'est lui même qui a guidé panne. Haïti, côté toute belle plage, yo, côte, yo, nous avons de gros resorts. En Haïti, côté gagné, touristes qui entrent, tout côté, ou passer sur le littoral. Donc, ces belles plages, ces belles resorts. En Haïti, côté tout pour nous danser, tout pour nous rire. En Haïti, côté culture, nous en valeur. Et Haïti, ça qui est tête, oui. En Haïti, côté que petit pays n'a pas de droit à quitter pour aller chercher mon sou éducation de yo. En Haïti, petit pays n'a pas de droit. Bénéficier d'un boost que pays à Bali,
pour payer avoué là l'étudier dehors et puis là elle tourne avec certificat avec diplôme là payer à rester encore en Haïti côté que professeur capable recycler en Haïti côté que vraiment petit pays capable vivre en Haïti côté que l'amour c'est lui-même qui se ciment pour faire que nous rester ensemble là en Haïti vraiment côté que la paix. On a été côté chaque monde respecté droit monde. On a été côté chaque monde respecté limite li. On a été côté nous toutes nous cachita ensemble dans cadre du respect mutuel pour nous faire débat même si on pas d'accord avec opinion l'autre là. On a été côté que gain l'ordre discipline. On a été côté que étranger pas capable venir bay dicter à monde qui dirige lui. Ça a été anizo parce que l'état pour faire tout bay pour vous, si ou pas commencer ou même gérer tête tout. Gérer pays a gérer compte que toi habiter gérer espace que toi habiter parce que l'aria c'est salon peuple là a dit salon peuple là c'est salon la cao mais ben OK bon et n'a dérapé premier point n'a regarder donc ces questions et déportation et Jimmy comment est expulsion 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 oui. Ben. Bonjour Loco et moi très bien donc on connaît moi été la caï moi plus et me parler avec mon à l'étranger c'est tout qui oui avec telle fois Alexandre n'est you sur place et Del Rio dans ville Del Rio Mexico là Mexique non il pas Mexico non il Texas Del Rio mais il pas arrivé côté Mounio parce que pas grand pile monde encore il y aurait fait pile process pour yo yo déplacé kagon 700 monde qui était en bas pont actuellement ah bon et kagon 700 monde yo était déplacé Mounio dans avion il a déposé dans l'autre ville compression l'autre ville aux États-Unis mais l'autre ville aux États-Unis non il pas Mexique tout monde était aux États-Unis tout monde qui était dans était net qu'est-ce ça fait famille qui depuis Texas qu'on y a problème qui gagne deux problèmes t'as regardé matin dans interview il a fait pour quelques procédures pour monde qui dans zone là il a gagné toute six monde avec femme enceinte il a presque lagué toute mais problème là faut quitter zone là et gain parent ou pas accepter prendre téléphone là pas prendre téléphone ou craser chance moun surtout dans interview parce que leur fin fait interview avec yo relé puis on côté pour aller leur répondre téléphone non ou sauver yo mais c'est pas qu'on asile vraiment mais yo là c'est tellement gain pression dans ça que t'es passé mal de cheval là qui remet nous l'esclavage quand ils mettent là sous cheval avec iguazli ça ben pile problème il obligé la le gouvernement là en pile monde quietement l'aime de quietement et louko qu'on est comment ça fait silencieusement silencieusement il y a plagué républicain a voué en pile pied et surtout monde qui dans qui dans wencho c'est côté monde grand pile terre il a arrêté monde tout même tout parce que monde a couru par côté a couru il sous terre monde il faut arrêter monde ça c'est même ça c'est qu'a prendre déportation il a arrêté faire déportation mais de pour quitter agent immigration en point dans border il a font procédure pour surtout monde qui oui c'est monde qui enceinte monde qui marié si monde petit c'est monde ça va laguer plus sous pas marié ou pas gagne madame ou bien pas gagne mari ou gagne plus chance déporté deuxième bagarre encore monde qui mal élevé qui pas gagne bon comportement ah ouais c'est même bagarre ça qui vient dans cheval là parce que m'tap tande un flandre t'a ben interview t'es campé là c'est timé c'est chili ou ben plus problème c'est pas monde brésilien c'est plus timé c'est chili ou ben problème les police là dit fait route ça yo pas d'accord yo veut faire route par yo c'est comme ça plus cheval t'es vinn barrer yo monsieur t'es devant yo ça fait là pas bon vraiment mais haïtien en tortou parce que yo gen mauvais comportement mais faut moun yo prend téléphone faut faire un pile fort pour moun yo quitter Houston avec et San Antonio c'est là où mené yo non ça puis aller chercher ou joindre yo chercher compte qui adresse yo gen moun qui pas même gen l'argent pour prendre avion ni pour prendre train yo la quelque nan yo mais faut dégager yo quitter zone plus vite que possible pour qu'à descendre tension et par la pile qui gagne sur les affaires. Grand pile pression là, donc regardez le dossier là. Mais complot. Non, République pas là des mêmes, République c'est déporté, mais hier soir, on a une réunion de haut niveau qui fait entre Speaker de House et majorité démocrate qui est responsable Sénat. Ils ont demandé président Biden pour camper sous. Ce n'est pas déportation, non, c'est vous et mon allié, ce n'est pas même déportation. Ben, ils ont une chance. Pour faire interview avec eux pour voir sous cabaye un asile moi c'est ça que mandé actuellement là mais Biden a fait vraiment bacha lui mais il pas à montrer ça politiquement il pas bon pour lui parce que gon élection capable vienne là il pas bon pour démocratie en tout cas démocratie chaque problème là mais louko bon nouvelle qui gagne dans mauvaise nouvelle là il commence la grand pile monde bien OK donc là n'a regardé question expulsion donc haïtien et de frontière mexico américain et nous va gagner possibilité pour gagner plusieurs interventions donc au niveau de la diaspora haïtienne alors moun ki se haïtien k ap tande émission matin débat ki là-bas sou gen fami ou ki relo
ou mettre prendre téléphone là, ou mettre prendre téléphone là, au moins on va sauver la ville. Ça va le dire que ou pas le impliquer pour ton charge. Pour ton charge ben comme ça. OK? Donc si moun nan relo, li ba numéro téléphone nous et que yo ta relo pour moun nan, donc ou mettre recevoir appel là. OK, ou mettre recevoir appel là. Ça va le dire que ou pas l'objet impliqué peut-être ou pas le responsable ben comme ça quelconque. Deuxièmement tout le coup, gon gros qu'est sauté là, gain 20,000 moun Brésil annoncé qui était sous frontière Guatemala et Brésil. Non, gain problème. Pour entrer, gain 1500 PO, gon l'autre 2000 l'autre côté. Joe Biden gain problème. Yo papa ben moun asile cousin. Trop qu'on a. Joe Biden, bon problème. Mais okay. Faites attention, Louko. Faut nous dire, c'est pas moun qui sont en Haïti pour un bâtiment calé là. Non, c'est clair. C'est moun qui gagne 10 ans, 12 ans, 7 ans, 8 ans dans Sud-Amérique. Qui t'a allé après tremblement de terre là. C'est eux-mêmes qui fait un pile économique serré l'argent. 12, 15 000 dollars, vous voulez prendre. Voilà, c'est eux-mêmes qui ont traversé, qui ont entré aux États-Unis, viennent chercher rêve américain. Mais c'est pas moun qui sont en Haïti actuellement. En tout cas, faut vraiment songer ça. En tout cas, j'ai un dit hier. Ça qui a passé là, il pas au hasard. Malheureusement, Haïtien est obligé à payer pour lui tout avec l'autre nation. Mais ça qui a passé là, il pas au hasard. Parce que, je ne sais pas, bataille politique, même si ça qui a passé en Haïti là, eh bien, je dis là, Joe Biden, le président américain, eh bien, il charge le problème. Il charge le problème et il gagne des en face. Il charge le problème. Sondi a une vérité là-dedans. Il dit qu'un groupe politique Mexique, il a laissé au même qui organise les bagages. Ah ouais. Pour qu'il frappe Joe Biden. On a allé avec tout mon entrée. On a allé avec Diaspora. Et Giveaway, mettons au prêt, on a parlé parler avec vous tout à l'heure, Giveaway. Et puis ça fait famille qui lit même du Texas. Donc nous allons parler avec Zamino qui est Texas. Donc on a allé. D'abord, et Jean-Luc Kade, comment nous est? Et Louko, bonjour, bonjour auditeur et Martin Biba. Bonjour Pierre-Marie Cato, Esaïe, Josué. Et Josué salué et ma profite salué et Diego pour l'anniversaire. Donc, nous, en forme locaux, et nous voulons saluer de manière spéciale et Radio Télé Claire, tout le monde qui fait partie de et Martin Débat. Je dis à moi, je vais vous dire, Radio Télé Claire, c'est une radio haïtienne qui compte dans le monde. Ah bon? Donc, nous avons une statistique audience et radio télévision. Donc, monsieur, mes félicitations, nous avons un travail qui est vraiment extraordinaire. Eh bien, je regarde, son gros déclaration fait matin là, oui. Vous reprenez information pour nous. Alors, vous sont ingénieurs dans la question informatique. Et puis, assurez que vous voyez statistiques là pour nous, Tabi. Et assurez que vous voyez pour nous. Vous reprenez information pour nous. Pas de problème, vous comment faire ça? Donc, vous quoi? Oui, madame, vous reprenez information pour nous. Madame, vous reprenez information sur la question et statistiques qu'on gagne sur la radio. Ma faut trouver le pita. Non, tendez nos téléphones, on va entendre nos computers ingénieurs parce que l'abgon retour sur. Tendez nos téléphones de préférence, ok. Alors, et comme un jour, dame qu'on reprenne l'information qui garde par question statistique sur émission radio et télévision pour nous. Ok, je dis à ce matin de bâcher, il y a une radio qui bat le record aujourd'hui. Je regarde les statistiques qu'on gagne. Et nous gagnons deux records. Nous battions comme émission radio qui tient des monde plus temps en ligne. Donc tout le monde qui est en ligne, la majorité de monde fait plus que 3 heures de temps à attendre le matin débat. Ça c'est pour Haïti? Le monde. Non, à travers le monde. À travers le monde. Le monde. Statistique, ça c'est une statistique qui fait à travers le monde qu'elle dit. C'est Google qui met les statistiques à d'ailleurs. Donc, matin débat devant tout le monde dans le monde entier? Donc, tout le monde, nous-mêmes, nous avons des monde pour plus que 3 heures de temps. C'est-à-dire, le monde qui attend le matin débat fait plus que 3 heures de temps à attendre le matin débat, il va me déconnecter. Il va me déconnecter. Et c'est nous qui avons premier à travers le monde? Exactement. Oui, exactement. Quoi, Haïti? Bon, les gars, sur la rue! Non seulement on a fait un travail extraordinaire, mais ça montre que juste dans le moment où on a parlé là, Haïti, j'en suis dit là, tout pas fini pour Haïti. Tout n'est pas fini. Donc, pour un jour, on a touché Louko. Et depuis 35 ans, et nous sommes avant du Valais d'aller, ils ont fait nos promesses, ils ont dit nous avons une démocratie, il y a l'école, l'université, santé, de l'eau courant. Son menti qui était ban nous. Même bagay là, te fait nous, te aliéné nous avec Fidel Castro. Ouais. Il était toujours dit non, et Cuba, c'est un paradis, mais ça qui vient. Et pourtant, Fidel Castro, ça y fait, il réduit un pays ensemble. Même bagay là, Chavez fait. Je dis à 6 500 000 Vénézuéliens qui étaient Vénézuéliens, il y a couru. Ouais, donc,
et nous-mêmes, nous toujours gagnons, nous faisons tout approche avec sentimental. Nous voyons gagnons, c'est une façon nous toujours chercher le monde pour nous avoir responsabilité. Qui fait crise en Haïti dans ce moment-là, nous avons attaqué le dossier qui est en bas de compte exact. Haïti dans une situation aujourd'hui, parce que nous n'avons pas offert rien. Parce que nous n'avons pas l'État. Parce que nous n'avons pas monde qui peut défendre nous comme pays. Deux mois après le mois président, nous avons un mécanisme constitutionnel qui peut permettre de résoudre la crise là. Nous avons 10 sénateurs seulement qui sont élus dans le pays, ils ne prennent pas la responsabilité comme élus. Donc nous qui sommes ces blancs. Alors, lorsque nous avons pour la responsabilité, tout déjà souffert, à fort marché. Donc en Haïti, nous toujours dit c'est blanc, c'est nous là, c'est français, c'est canadien, c'est américain, c'est bourgeoisie, c'est la cause du problème à traverser en Haïti là. Donc, moi, je pense que non, Louko, c'est pas comme ça. Nous-mêmes, comme peuple, nous échouerons sur le bilan éditorial là. Je me félicite parce que vraiment, ça m'a fait là, c'est compléter, m'a complété l'éditorial que j'ai commencé matin. Merci, Bill. Et Mali, Louko. Maintenant, la situation est à Texas, Salié. Et qui donne l'ordre d'être qu'on gagne en fait sur son situation haïtienne? Ok. Qui ça vous fait? Il y a un Texas qui a une sorte de gris. Et gris, ça, je veux dire, les gens qui viennent au Texas là pas sorti en Haïti directement. Donc, comme ils sont sortis à travers plusieurs pays, donc ils n'ont pas qu'à opter pour dire qu'ils ont un problème, c'est le problème Haïti. Non. Donc, ils n'ont pas présenté problème politique. Même ça, ils ont seulement présenté, ça, on met dans le bailloa, c'est les gens qui ont changé de pays. Parce que c'est le monde qui était stable Chili, le monde qui était stable Pérou, le monde qui était stable Brésil, okay. Qui rentrait ici et qui voulait rentrer ici, ce pays a changé. Donc c'est ça que fait nous-mêmes, ouais, ça a passé là, c'est ça que fait nous-mêmes, nous prenons traitement ça. Et puis l'autre bagaille tout, le gouvernement Mexique a mis plusieurs documentaires d'ailleurs sur Haïti, sur le comportement jeune haïtien et Mexique. Et plus Vénézuéliens qui passent dans la frontière que nous-mêmes, Vénézuéliens et ils estiment plus que 80 000 Vénézuéliens passés dans la frontière. Ok. Et ils ont passé de manière organisée. Donc c'est ça nous-mêmes nous passons comme pays. Donc nous-mêmes nous vivons et nous allons réclamer nos droits que nous-mêmes nous pas gagner. Eh ben. Nous allons réclamer nos droits qui, tant que vous continuez, nous, qui reviennent de droits. Donc, mais c'est ça qui a passé là. Donc actuellement là, et la presse, ils commencent à fermer sec. Il n'y a pas quitté la presse rentrée, donc il y a déporté tout le monde. Mais il y a un bon monde qui attendait quand même. L'État américain, nous, peut-être que nous devons fustiger ou non. Le monde sale et tourné, c'est un bon monde que je suis parlé avec nous. Il y a demandé des informations, il prend pour être monde. Et dans le monde, c'est parce qu'il n'a pas convaincu l'officier d'immigration et ça déporté. Mais il y a un peu de monde qui est passé là. Ok. Oui, dans tout le monde qui était passé. Ok, pour quelle raison, et je ne regarde, on m'a dit que il y en a un migrant qui a gagné le téléphone, et puis il a relé le pour t'en y appeler là. Pour quelle raison? Et non, qui ça, ça capable de compromettre lui? Bon, du point de vue légal, nous ne pas connaître. Même temps, ici, on connaît. Si on a recevoir appel là, il toujours pense que c'est lui-même qui est responsable pour. Même quand il s'est fait. Si je suis dans le cas de mes génies, moi-même, j'ai une famille, madame, qui vivait par le Mexique. Donc, les hôtels, ils m'ont demandé, est-ce que je connais mon nom? Je dis oui. Ils m'ont demandé, mais dans quelles conditions il est aux États-Unis, m'expliquer. Et puis, ils disent, est-ce que moi-même, je peux dire que les gens sont les gens qui n'ont pas des problèmes aux États-Unis? Ils disent non. Eh bien. Et puis, après quelques heures, mon anglais me dit non, et je prends un point, tu fais photo, je dis, pour me tourner, ils frappent chaque deux semaines. Et nous dans la rue, nous n'avons pas une responsabilité envers nous, ça. Très bien. Alors, c'est ça qu'on a essayé de faire matin, parce que vous connaissez que matin, les bassins sont très écoutés, donc surtout par les Haïtiens, et qui sont Haïtiens qui sont en Haïti, ou bien qui sont dans la diaspora. Parce qu'il y a des gens qui peuvent, ok, qui sont dans la diaspora, si les gens qui viennent, ou bien les gens qui sont dans une situation irrégulière, là, surtout dans le contexte où ils sont dans le cognac, là, ils ont un numéro de téléphone, et puis ils ont peur de prendre le téléphone. Non. Alors, il faut que nous disions tout le pays, c'est capitaine de là, et pas gagner de mal là-dedans, pas gagner de mal dans ça, si on a un numéro de téléphone, ou capable prendre le téléphone, au contraire, c'est sauver qu'on sauve la ville, ok? Il n'y a pas gagné de compromettant, ok? En rien.
m pa kwa gagnen ki k ap compromet tout parce que pour sou sauver la vie au monde. Donc pour permettre moun sa sorti dans condition qui vit en bas non dans Texas, donc pour permettre moun sa ka et river rentrer ici légal. Donc m pense ça là bon geste, là bon geste de solidarité parce que nous même actuellement là en tant que haïtiens nous besoin ça, nous besoin solidarité. Nous avons besoin de laver l'image aux yeux du monde entier. Donc, c'est un moment ça pour nous montrer, même si vous avez un peu de mal de Haïti, mais les Haïtiens sont peut-être plus solidaires. Très bien. Merci en pile, jeune cadet. Merci en pile. Est-ce que vous pouvez appeler à tout le monde qui a été mis sur le débat? Bon, il faut que nous disions que vous êtes consultant pour le débat, donc de loin depuis les États-Unis d'Amérique. Mais quand même, est-ce que vous pouvez rapidement faire une brève présentation de vous, surtout à tout auditeur du débat, parce que l'information que vous avez là, vous avez fait tout réseau social. Le débat, c'est l'émission la plus écoutée à travers le monde, et selon les dernières statistiques donc, mondiales. Est-ce que vous pouvez faire une petite brève présentation de vous rapidement? Bon, effectivement, c'est un travail qui est difficile pour faire, mais donc, moi-même, c'est ingénieur Renault Kader, moi, c'est mon Lindé, et ma prise aux États-Unis. Après 23 ans, c'est que j'étais au Venezuela, j'étais professeur à l'université pendant 10 ans. Donc, il y a même une maîtrise dans la simulation industrielle. Donc, non seulement ça, il y a un certificat, donc après 2 ans, qui a un rapport avec sécurité et nos affaires informatiques. Très bien. Mais sans pile, ingénieur, mais sans pile. Voilà, donc c'est de notre ingénieur Kader. Ça, c'est Yonan, consultant. Donc, émission Matin Débat. Il faut qu'on dise tout ça qui a rapport à la question informatique, internet, computer, Matin Débat, et statistiques, sondages. Eh bien, donc, c'est ingénieur Kader. Ça, c'est une bonne nouvelle. Yo Kouklos, et puis c'est vrai de Kouklos, oui. Donc yo Kouklos, à toute fanatique Matin Débat, l'émission mondiale. Ouais, c'est l'émission la plus écoutée à travers le monde. Alors pour qui ça? Alors qu'on y en suit, c'est l'émission, selon les dernières statistiques, ok? Et côté que moun prend plus de temps pour tendre, moun passe plus de temps à tendre. Sans coupure. Tendez? Parce que gede moun là qui a peut-être gagné l'émission, et puis moun c'est passé sous lit. Les gars font 30 minutes, les gars font 30 secondes, les gars font 1 minute. OK, mais Matin Débat, c'est émission que tout le monde l'opte de Matin Débat, minimum c'est 3 heures de temps. 3 heures de temps. OK, que attendez. Donc Matin Débat c'est le record mondial, madame monsieur, les gros clochard Matin Débat. Gros clochard Matin Débat. Gros clochard Matin Débat. Gros clochard Matin Débat. Gros clochard. Alors Bob c'est que Bob, c'est où ton débat là? Bob, c'est ton débat là. Ok. Et où ton débat? Pas un jouet, non, Bob. Mais un jouet, Bob. Pas un jouet, Bob. Ok. Alors, faut pas dire nous, ici, nous pas des monde bravo pour nous. Ok, nous pas des monde bravo pour nous. Fait nous avons un cloche. Nous battons pour nous, peut-être pas. Non, okay? Bob, petit cloche. Bob, c'est un cloche. Oui, petit cloche, c'est un petit cloche. Bob, nous battons un cloche là. Ouais. Matin Débat, c'est l'émission mondiale la plus écoutée. Ok. Désormais, donc, mais ça dans tête nous. Et statistique là pour nous, t'as brillé. Je n'ai qu'à des voiles pour nous, pour nous capables de publier sur page Facebook, nous, sur toutes les réseaux sociaux. Puis, ouais, que et ça a blindé sous question Matin Débat. Bon, blanc parlé. Nous parlons de Koukala. En allez. Et ça fait famille. On a pris quelques messages. Quelques appels rapidement donc, de la diaspora haïtienne. Et bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat. Qui a update que nous gagnons sous question? Et haïtien que y a expulsé des États-Unis d'Amérique. On a les. Oui, bonjour, Matin Débat. Qui update que nous gagnons? Ok? Sous question haïtien qui a expulsé des États-Unis d'Amérique. On a les. Yeah. Comment nous est là, frère? Enfin, mon frère. Yeah, ma peur depuis New York. Sous question des mouns qui paraissent recevoir appel. Yo. Oui, vous m'avez parlé, oui? Ok, quel monde qui peut recevoir appel, ça va dépendre de statut monde. D'après ça, mon yo dit qui tel rio, les familles, pas prendre téléphone. Oui. Et pas où dit. On m'a parlé. Alors faut que m'en dise que c'est d'après ça mon yo dit, yo relé depuis del, yo les familles depuis del rio, mon yo va prendre appel là. Donc qui précision capable ba nous sous ça ou même de côté pas. Gen monde qui pas prendre appel là parce que mon n'a droit pas gain papier légal non même. Non mais pas gen moun ki gen papier. Mais pas gen moun ki gen papier légal. C'est une interview. C'est une interview avec les moun nan pendant faire papier pour lui. Oui. Il y a
non, moun ou relé, moun ki aux États-Unis, ah, okay. Il pa gon papier légal, lè li même la bat pou fè papier pal. Li ka pèk bon téléphone non. C'est l'interview. Il y a posé la question sur ça, est-ce qu'elle te kon supporte moun illégal dans pays a? Ou correct. Que moun entre illégal. Ou correct, merci en pile. Merci en pile. Zafè fami, ou mettre les sous téléphone Esaïe César là, donc ça c'est son ami nous qui Texas, au côté nous capable voir une image et de haïtien, OK, qui habillé donc en tenue militaire et puis monsieur gagne un pancarte côté que m'a dit stop toute déportation haïtien. Monsieur est allé en dedans oui. Et gouverneur office là, c'est là il est allé avec justement gouverneur. Donc ces affaires famille, c'est nèg kafou et qui n'a demandé pour ancien soldat américain c'est ça. Et il est habillé en soldat donc oui. Monsieur t'es vraiment entré en dedans office du gouverneur en arrivé direct devant bouche porte campé campé expulsion bien bien bonjour matin débat sont capable dire nous matin sur dossier en aller. OK, matin débat, moi remercie nous à tout bel travail ça n'a fait à moi son top driver toujours tout de à porter nous en pile respect à tout staff là celle ça m'a dit mon yo bon truc yo fait les orélé famille mon nous soit sponsor qu'après te voir et tout yo on écrit les pour 2 secondes et puis on raccroche téléphone là très bien. C'est que même ta ba exemple là, j'ai plusieurs monde qui moins ouais appel là me connaissent yo. L'aime pour répondre yo gain te rapprocher, moi gain impression qu'elle gain mon yo pas ka di mon là y a déporter yo juste faire passer comme ça pour yo ka je ne prétexte. Comme si pour yo pas y'a pour prétexte comme si son toi pas pique au téléphone là. Très bien. Parce que vous faites ça en pile. Vous avez écrit le téléphone dans son épée, vous allez au bol, vous êtes rapproché. Très bien. Et celle, ça m'a dit. Et puis, je souhaite tout le monde en bas pour vous prendre le courage parce que mon bon pays Haïti n'est pas bon, mais quand même, on a privé. Mais sans bille, nous pas prendre et ça fait famille qui les mêmes donc nous capable remarquer je ne dis là sur les réseaux sociaux il y a un haïtien donc qui habillé avec un tenue militaire et puis qui comprend quatre nan meni qui dit que stop toute déportation haïtien donc vers Haïti il était rentré même donc dans bureau gouverneur dans Texas. Houston Texas ça fait famille comment nous y est et bienvenue dans matin débat comment est. Hey, bonjour. Et nous saluons le coup, nous saluons tout le monde là. Et nous saluons tout le monde carrefour. Nous saluons tout le monde. Et regardez, je vais te dire, le coup, moi, presque, qui est bon, moi, m'a crié, parce que, Parce que, pour nez, autant de politique Haïti, pour regarder tout ça, tu vas camper comme pour venir représenter Haïti, ça, comme une chose dernière dette. Moi, je me dis, comment nez, dans la politique Haïti, c'est que madame fait des petits. Comment madame le petit, regardez, on a dit chaque jour, le coup. Parce que moi-même, c'est pas même pas manger et puis garde vidéo de même côté mal mettre action mal devant gouverneur pour mal demander justice pour mal demander bien traitement pour aller se combattre à population. L'arrivé devant le gouverneur, est-ce que tu recevoir et ça passe, comment ça s'est passé? OK, mal de tout à fait, c'est ça grand la ici qui perd à parler qu'elle soit couturée dans les États-Unis parler et parler de comment éduquer le capital Maria. Ouais. Non, les papes sont pour mes Je suis un peu plus de temps. Même si je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps.
et puis tu as dans station par le nos stations pour ça qui devait faire ces jours avec nous le colis il pas belle l'organe ça qui Aïcha passe actuellement en bas pour les maps de ça il fait chaud le quoi Texas son pays qui fait chaud même téléphone nous pas chargé même téléphone nous pas formé que le vide là pas chargé ce coup là là le et le gars dit même, il faut aller, il met les Russes. Moi-même, je suis comme ça. On fait Afghanistan. Mais l'MDA Afghanistan, pour me sortir devant Barrière, c'est similaire à quoi je fais deux minutes comme ça. Parce que les gens qui ont mis des bombes sur eux, ils ont explosé. Nous, les colonels, ils ont explosé devant Barrière. Ok? Moi, je suis comme ça, mais ils ont explosé. Ils ont explosé les colonels devant Barrière. Pour jouer des jeux de la peau, 30 000 et puis 10 000 ans, ils ont dépensé le matin et le soir. Parce que n'y a pas de respect pour Haïti, parce que vous n'êtes pas dirigé, c'est là pour être à Washington, c'est beau et photo by femme, c'est pour qu'on pense à vous, mais moi.